Catherine de Médicis demande à Ronsard. Bonjour tout le monde, nous sommes Acte Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. Qui vous a donné l'autorisation? Non, il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger pour la fellation. Ne regardez pas ça. Il faut savoir que le risque existe bel et bien. Oh, je vous demande de quitter cette salle. Nous vivons le sida comme une guerre. Une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant, nos amis meurent. Et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Je vais résumer la situation. Melton Farm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitements afin de faire parler sa nouvelle molécule. Et d'amplifier l'effet d'annonce, on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Je risque pas de choper votre connerie de sida, hein. Je suis pas pédée. Ah. À Acte Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous. J'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie. Bah moi dans ma vie je suis sérieux, c'est tout. Voilà quand ça se résume.